Bonjour Jessica Nelson, merci d'être notre invitée. Vous êtes écrivain, éditrice. Et alors là, ce qui est incroyable, c'est que vous partez presque en guerre contre le numérique dans l'édition et vous publiez au contraire les manuscrits originaux. Alors on va en parler, Boris Vian, Amélie Nothomb et puis peut-être d'Ormesson plus tard. Enfin, alors vous allez présenter tout cela en avant-première aux Journées du Livre et du Vin qui s'ouvrent donc tout ce week-end à Saumur. On va beaucoup boire et on va voir des beaux livres. Alors, racontez-nous votre aventure. Alors, notre aventure, elle a commencé donc l'année dernière, effectivement, avec un de mes complices, Nicolas Tretiakov, que je connais depuis des années. Et on s'est dit, effectivement, le texte nous importe, nous est précieux, nous est cher. L'écriture aussi. L'écriture, c'est le fondement, c'est la base. Et pourquoi ne pas publier les versions manuscrites d'auteurs contemporains qui ont compté, qui comptent, et d'auteurs plus classiques. Et effectivement, on a commencé par Amélie Nothomb l'an dernier, Hygiène de l'assassin, qui était son premier roman paru en 92. Et on l'a réédité, ou plutôt édité, sous forme d'un coffret luxe les 20 ans. Amélie Nothomb, donc son premier livre, c'est l'anniversaire. 20 ans après, c'est un livre dont personne, aucun éditeur ne voulait, qui va faire un succès phénoménal. Et vous, vous avez retrouvé, c'est-à-dire vraiment la création, son écriture. Mais en fait, Amélie a toujours écrit à la main, donc je crois qu'elle conserve tous ses manuscrits chez elle et elle nous a donné accès à Hygiène de l'assassin, qui est le gros succès, ce qu'il a lancé en fait en littérature, ce qu'il a fait remarquer dans les années 90. Et je crois que c'est un peu aussi un de ses préférés, hein, parce que c'est les premières amours. Et même si je crois aussi que chaque livre pour elle est un bébé. Et en tout cas, elle nous a fait confiance, elle nous a confié son premier bébé l'an dernier. On va dire, c'est très intime, parce que là, on voit les ratures, on voit un petit peu les hésitations de l'auteur, et on voit comment il en arrive au livre. Alors, dans le cas d'Amélie, ce qui est absolument frappant, c'est qu'il n'y a quasiment pas de ratures. C'est que tout est d'une netteté absolue. Et vous allez le voir dans le Boris Vian, c'est un peu pareil. Il y a aussi quelque chose qui relève du trait de génie, c'est-à-dire l'histoire sort, et elle sort d'un jet quasiment sans rature. Et c'est assez impressionnant. Alors, évidemment, on note quand même les hésitations et c'est là qu'on trouve aussi l'émotion de l'auteur. On voit, là c'est Boris Vian, c'est l'écriture de Boris Vian. Voilà. On voit quand même des ratures. Oui, il y en a quelques-unes. Oui, on peut voir les mots sur lesquels il hésitait finalement. Oui, le pianoctel, il me semble, alors il n'est pas représenté ici, mais en tout cas le pianoctel, c'est un mot sur lequel il me semble qu'il a buté à un moment donné. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce manuscrit, c'est que sur les pages de droite, vous avez le texte, et sur les pages de gauche, vous avez les notes et les dessins qu'il prenait lorsqu'il était employé de l'AFNOR, qui était l'Association française de normalisation. On voit ça, regardez, instincteur à poudre, donc l'AFNOR, ce document est évidemment griffonné par Boris Vian, on le voit là. Oui, on le voit très très bien et donc l'ensemble forme un tout assez impressionnant, je dois dire, et quand on le feuillette, c'est assez, il y a de l'émotion, il y a de la découverte, il y a cette espèce d'effort qui consiste à entrer dans l'écriture, mais ensuite une fois que vous y êtes, eh bien je crois que vous y restez. Ouais. Et puis la cohérie Boris Vian nous a fait nous a donné l'accès aux notes préparatoires à l'écriture, et ça c'est inédit. Ça donne ça, hein. Regardez, c'est énorme. C'est un grand format. C'est une boîte énorme. Là-dedans, il y a véritablement donc les manuscrits à l'origine de l'écume des jours. Voilà. Ça représente un travail de folie. C'est un travail de folie pour Boris Vian déjà d'une part, et puis ensuite pour nous, puisqu'on a reconstitué ce manuscrit en conservant son intégrité naturellement. Mais je vous dis, ajouter de l'autoportrait de Boris Vian, qui est un peu notre marque de fabrique, puisque Amélie Nothomb nous avait fait un petit autoportrait, et puis des notes préparatoires à l'écriture qui, il y a le plan, il y a l'avant-propos, il y a tout plein de choses qui permettent de comprendre le cheminement de pensée de Boris Vian qui a présidé à l'écriture de l'écume des jours. Quelques mots quand même sur ce livre et ce chef-d'œuvre extraordinaire de Boris Vian. Donc Boris Vian, il meurt à 39 ans, il meurt en 1959, après avoir vu une projection d'une adaptation cinématographique de l'écume des jours, qui, dit-on, l'a choqué profondément, l'a blessé, peut-être à l'origine de son problème et de son malaise cardiaque. Et voilà que maintenant Michel Gondry adapte en 2013 à nouveau, avec Audrey Tautou, un film consacré donc à l'écume des jours, que vous avez vu. Oui, et qui est absolument époustouflant. Alors là, vous en prenez plein la figure pendant 2 heures, ou 2h40 même peut-être, et c'est d'une extrême fidélité au texte. C'est-à-dire que toutes les secondes, vous avez 36 trouvailles visuelles. C'est un film qui est extrêmement visuel, qui respecte donc à la lettre la narration de l'écume des jours. Et voilà, où les personnages sont campés par Romain Duris, Audrey Tautou et Gad Elmaleh qui joue Chic et qui est vraiment exceptionnel dans ce rôle, je trouve. C'est possible d'adapter Boris Vian, parce que c'est une écriture tellement imaginaire. Il disait que ce sont des romans vrais parce que ce sont des romans imaginés. Oui. Ben, je crois que dans le mot adaptation, c'est pas forcément
forcément une fidélité absolue au texte, hein, mais en tout cas, dans le cadre du film de Michel Gondry, je trouve que ça respecte quasiment à la lettre. Alors, Colin, dans le livre de Boris Vian est blond et Romain Duris est brun, mais en dehors de ça, je crois que c'est assez... Tout est assez fidèle. Il y a tout, évidemment, dans ce livre, tout ce qui va faire l'œuvre de Boris Vian, l'amour, la maladie, mort... Oui, le jazz, avec un grand Z. Oui. Mais c'est un roman qui, voilà, je pense, qui a touché des générations et des générations de lecteurs. Et c'est pour ça qu'on a eu vraiment cette envie-là de proposer le manuscrit à ceux qui aiment Boris Vian et qui ont envie de redécouvrir le roman, peut-être par une part plus intime. Oui, voilà. J.K. Nelson, on le disait, aujourd'hui, c'est l'heure du numérique. Alors, vous qui travaillez avec Michel Field, vous aimez encore toucher les livres, aimez encore sentir l'odeur du papier, tout ça. Bien sûr. Vous battez, vous êtes furieuse de voir que le livre va peut-être disparaître. Je ne crois pas que le livre disparaîtra. Je pense que les formats vont changer. Il me semble qu'il y aura toujours ce rapport un peu charnel, malgré tout, à l'objet. Alors, ce que je pense, c'est que le format de poche a une vraie raison d'être. Et la version luxe, ce qui est ce que nous, on a choisi aussi. Et ça, ça touchera une catégorie de gens peut-être plus restreinte, hein, mais ce sont des vrais amoureux du livre aussi. Mais je ne pense pas que le livre disparaîtra, non. Oui. Non, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir encore un livre dans la main ? Parce qu'on est toujours un peu fétichiste. Alors après, il y a des fétichistes d'autres objets que le livre, mais je pense que les fétichistes du livre, ils ont encore de beaux jours devant eux. Alors dites-moi, je crois savoir que vous allez éditer bientôt Jean d'Ormesson. Il paraît qu'il a une écriture illisible. Comment on va faire ? Alors, c'est vrai que dans le cas d'Amélie ou de Boris, Boris Vian, l'affaire est plus simple. Et dans le cas de Jean d'Ormesson, si le projet se concrétise, ce sera sans doute un petit peu plus compliqué, mais je suis persuadée que les acharnés iront de bon cœur et s'y retrouveront. Ouais. Il y a quelque chose de sensuel dans l'écriture. Oui. Ouais. Il y a une vérité dans l'écriture. Il y a une vérité dans l'écriture. Je crois que l'écriture ne ment pas. Et que si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un écrivain, si vous n'avez pas vu... après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains, la majorité, qui écrivent à l'ordinateur. Mais malgré tout, l'écriture à la main vous restitue quelque chose de personnel que vous n'aurez jamais... Est-ce qu'on peut boire un verre de vin tout en écrivant ou en lisant? Comme ça va être le cas aux Journées nationales du livre et du vin de Saumur, où vous allez être avec des centaines d'autres écrivains, comme ça, autour de Jean Carmé, de se souvenir de la bonne chère et du plaisir de lire, finalement. C'est ça? Oui. Mais c'est un superbe salon, d'ailleurs, qui a été initié par Jean-Maurice Belaïche, Patrice Montmousseau, qui font tous les deux partie des célèbres vins Bouvet-la-Dubé, qui accueillent comme ça tous ces écrivains, tous ces gens du cinéma, qui font la passerelle entre les deux domaines. Et c'est vraiment un moment très, très joyeux. Vous avez l'excellence de vivre à la française, qui est très bien représentée à travers tout plein d'événements, hein, des tables rondes, des lectures, des déjeuners, en veux-tu, en voilà. Et puis voilà. Et on va y aller. Et on va y aller, bien sûr. J'espère Merci, vous y voir. Jessica Merci Nelson. À vous, Patrick. Voilà. Et les éditions des Saint-Père vous attendent avec de prochains livres manuscrits. Merci. Merci.